Nous allons voir ensemble comment découper de façon traditionnelle japonaise une feuille de papier pour la gravure à taille douce. Vous saisissez votre feuille, vous allez la plier en deux, ou tout du moins vous allez la plier pour marquer la partie que vous voulez récupérer. Vous n'avez pas besoin d'appuyer énormément sur la pliure. Faut qu'elle soit marquée simplement, comme ceci. Vous allez après vous munir d'un pinceau gorgé d'eau que vous allez passer dans la pliure afin d'humidifier celle-ci. Vous allez replier le papier de façon à faire pénétrer un peu plus l'eau et l'humidité et vous répéterez l'opération sur le dos de la pliure. Vous laissez pénétrer à l'intérieur. Nous allons faire un petit test. Vous allez voir que la feuille ne se déchire pas totalement comme il faudrait. Donc il faut la réhumidifier jusqu'à ce que celle-ci se déchire sans bruit. Lentement et qu'elle se constitue un bord frangé. Nous répétons l'opération. Et nous allons découper. Voilà. On obtient alors le bord frangé et la découpe se fait sans trop de difficultés. Vous pouvez voir alors que les bords sont irréguliers et non comme dans le commerce déjà massicotés.